Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de regarder votre télévision C24 TV. Vous êtes en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. Merci de votre fidélité à cette émission. L'émission s'appelle Regard sur l'actualité. L'émission qui reçoit des hommes de médias, des invités de parcours. Pour ce numéro, nous recevons aujourd'hui Mamadi Oulada Dabo. Il est l'un des membres de la cellule de communication du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, nous allons parler de cette affaire de nouvelle constitution. Également, on va parler aussi de cette affaire de train Conakry. Je m'excuse, ce n'est pas Conakry, mais plutôt c'est du Breka Express qui fait grincer les dents dans la cité. Il est dans ce studio, sur ce plateau bien sûr, avec moi pour parler de cette affaire de nouvelle constitution, évidemment, de parler aussi de cette question du train du Breka Express. Mesdames et messieurs, merci de regarder votre chaîne, la première chaîne web en République de Guinée, C24 TV. Je me tourne maintenant vers mon invité, monsieur Mamadi Oulada Dabo. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Oui, bonsoir monsieur Edouard et bonsoir aux spectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui on parle de cette question de nouvelle constitution. Certains citoyens pensent que parler de la nouvelle constitution c'est également à une affaire de troisième mandat pour le président Alpha Condé. Vous, en tant que membre de la cellule de communication, qu'est-ce que vous reprochez exactement à cette actuelle constitution? D'abord, l'équation ne s'oppose pas au sein de la mouvance présidentielle. Nouvelle constitution égale à troisième mandat. Oui, mais c'est ce que certains disent. Il n'y a pas cette équation au sein de la mouvance présidentielle. Nous parlons de la nouvelle constitution au sein de la mouvance présidentielle. Pourquoi une nouvelle constitution pour la République de Guinée? Les raisons sont simples. Vous avez une constitution qui a été élaborée par des personnes qui avaient certes la légalité, mais qui n'avaient pas la légitimité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La légitimité appartient au peuple de Guinée. Vous avez un CNT composé de 300 et quelques personnes qui ont été envoyées à la place de 114 personnes. L'Assemblée nationale guinéenne a 114 places. On trouve des personnes par affinité, par relation, par amitié. C'est ce que tu dis aujourd'hui? Sans mettre le critère compétence, on trouve 300 Guinéens pour les envoyer à faire un travail, à réfléchir sur quelque chose qui engagerait la nation. Mais, monsieur Dabo, pourquoi le professeur Alpha Condé, en 2010, après les 5 premières années, il n'a pas pensé à la mise en place d'une nouvelle constitution? C'est quand il termine son deuxième et dernier mandat, il pense à une nouvelle constitution. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être synonyme de troisième mandat? Je répondrai à votre question, mais laissez-moi continuer avec mon raisonnement. Allez-y. Vous avez un CNT composé de 300 conseillers qui n'avaient pas la légitimité, qui travaillent sur une constitution. Le CNT n'a pas daigné soumettre le travail à l'approbation du peuple de Guinée. Oui. Troisième grosse erreur ou faute, le CNT soumet à l'approbation d'une personne, un militaire, qui n'était même pas le président titulaire, président par intérim, un militaire qui n'avait ni la légalité, ni la légitimité, ni le droit de promulguer la constitution. Mais où étiez-vous en ce temps-là? Le RPG naturellement a participé, mais vous savez... Vous étiez là, le RPG a participé à l'époque. À l'époque, au sein du RPG Arc-en-Ciel, on était minoritaire. Ceux qui demandaient l'organisation des élections législatives avant le présidentiel de 2010. Mais très malheureusement, vous le savez bien, c'est le milieu politique, c'est un autre milieu. Parce que les parents, les frères, les connaissances, les amis sont appelés à siéger parce qu'on gagnerait quelque part de l'argent. Le reste, on a oublié. Donc on n'a pas été écouté. Sinon, la volonté d'une bonne partie de la jeunesse du RPG à l'époque était d'organiser l'élection législative avant la présidentielle de 2010. Parce qu'on savait que
le CNT n'avait pas ce caractère, ce droit, surtout ce caractère légitime. Alors, le CNT a fait le travail, le général Sékouba Konaté, qui ne devait pas promulguer la Constitution, a promulgué la Constitution au nom de la Guinée. Mais dans la Constitution, le CNT s'est fait une grande ouverture. Laquelle? Au niveau de l'article 51. Au niveau de l'article 51, l'article 51 dit que le président de la République peut, après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, soumettre à référendum tout projet de loi. À partir de cet article, l'ouverture est faite pour chaque Guinéen qui se retrouverait à la tête de l'État guinéen. Pourquoi c'est maintenant là? Moi, ma question... je viens pour vous répondre. Le premier mandat, 5 ans, Alpha Condé n'a pas proposé, le président Alpha n'a pas proposé une nouvelle constitution. C'est à son dernier... C'est très mal connaître. Oui, mais c'est ça. C'est très mal connaître même le contenu. Est-ce que cela n'est pas synonyme de troisième mandat? Pourquoi vous voulez mettre le compteur à zéro? C'est très mal connaître même le contenu, le passage... De cette constitution de 2007-2010. Il n'est mentionné aucun passage de cette constitution de 2007, pardon, du 7 mai 2010, l'actuelle constitution, qu'il faut un mardi pour que le président en place parle de la révision. Mais on a dit après l'élection, ça ce sont des accords. Ça c'est des accords, non, mais des accords de Waka disent que le président qui serait élu allait organiser, attention, une nouvelle constitution après six mois. Attention, à ce niveau-là aussi, faites beaucoup attention. Mais attention, on a lu en informant vos téléspectateurs. Oui. Ça a été un accord verbal entre acteurs politiques, pas d'écrit. C'est pas. Mais est-ce que vous acceptez avec nous? C'est pas une loi. Un accord. Non, écoutez. Oui. Que ça soit. On se dit entre amis, mais c'est pas ce qui engage la nation. Arrêtez s'il vous plaît. Allez-y. C'est pas parce que Edouard et M. Dabo se sont vus entre les quatre murs pour décider ou engager la nation guinéenne. Oui. Mais le pays ne fonctionne pas comme ça. Mais M. Alpha Condé est un homme de droit là. Maintenant. Mais on ne fonctionne pas selon le consensus, selon les humeurs des uns et des autres. Je vous dis, vous parlez pourquoi M. Alpha Condé n'a pas touché la Constitution pendant son premier mandat. Donc, mais est-ce qu'il est mentionné dans cette Constitution qu'il faut un vendredi pour parler la révision? Donc, il faut un lundi pour parler la nouvelle Constitution. Selon vous. Je ne vous dis pas ce que je vous dis. Oui. L'actuelle Constitution a manqué d'un caractère très important que nous recherchons quand nous élaborons la Constitution. Bien. C'est le caractère légitime. Oui. Il faut que le peuple soit interrogé, informé, sensibilisé du contenu à travers un référendum. C'est pourquoi le projet qui va être présenté par le gouvernement. Nous sommes pris par le temps. C'est moi qui gère l'émission, Monsieur Dabo. Nous allons partir du côté de cette affaire de Dubreka Express. Aujourd'hui, les wagons qu'on a vus ne répondent pas aux critères. Est-ce que c'est la commande lancée par le président Alpha Condé, selon vous? Ce que je vous dirai. Oui. Le président de la République, depuis 2010, a trouvé une situation très désastreuse sur le plan des transports publics, la mobilité des citoyens et de leurs biens. Imaginez-vous que M. Alpha Condé a trouvé en 2010 que certains Guinéens se sont permis de démanteler les rails pour les vendre. Qui d'abord? Vous parlez de qui? Non, vous savez. Mais ici, on qui parle était là, de bois, sans langue de bois. Mais qui? Monsieur Dabo. Mais qui ont géré? Vous parlez de qui? De Sylvia Touré ou bien de Sylvia Darin? Excusez-moi, qui ont géré la Guinée avant l'arrivée de M. Alpha Condé? Aujourd'hui, Alpha Condé qui ont fait 20 ans, 11 ans, 10 ans ministre auprès du général Lansana Conté avant l'arrivée de M. Alpha Condé? Moi, je sais pas. Qui ont organisé le démantèlement des rails? Qui? Qui exactement? Qui ont organisé ça? Vous parlez de qui? Vous connaissez les Guinéens. Monsieur Dabo. J'étais là en 2003, j'étais là en 2008, en 2010, j'étais là, vous le savez bien. Monsieur le président Alpha Condé trouve qu'il n'y a pas de rail. Il n'y a pas de train en Guinée. Alors que la Guinée avait tout ça. Depuis 2010, il a la volonté de doter la Guinée des infrastructures ferroviaires dignes de nom. Visiblement, est-ce que aujourd'hui, aujourd'hui, monsieur Alpha Condé a débloqué une forte somme pour nous envoyer de nouvelles voitures, pas de vieux wagons, pas ce que vous commentez là.
Monsieur Alpha Condé, le président de la République est en France, il a appris la nouvelle. Il va rentrer, le premier ministre n'était pas dans le pays. Donc, aujourd'hui, nous allons demander des comptes au cadre du ministère des Transports. Ce qui veut dire, monsieur Silla a pris quand même, a fait quelque chose qui n'a pas été demandé par Alpha Condé, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que je sais. Oui. Monsieur Alpha Condé demande de nouvelles voitures. Oui. Ne demande pas de vieux wagons. Des trains de 1960, monsieur Alpha Condé n'a jamais commandé des trains comme ça. Comme ça. Monsieur Alpha Condé, l'argent qu'il a déboursé. Le ministre des Transports doit s'expliquer auprès du président de la République. Mais c'est naturellement. Merci à vous, cher invité. Mamadi Oulada Dabo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été dans notre à l'écoute en regardant cette émission sur votre télévision, la première télévision web en République de Guinée, C24 TV. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour que vous soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre numéro de Regard sur l'actualité. Au revoir et à la semaine prochaine.